Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Zelda The Minish Cap. Attends, je baisse le son de mon casque. Voilà, c'est bon. Du coup, désolé du contre-temps. On va prendre le petit rubis là. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ramasser de l'eau là. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura de l'eau. Après, donc vaut mieux dans le. Au cas où quoi. Prendre l'eau. Voilà, donc là on peut escalader en haut, mais pas tout de suite. Parce qu'il faudra un objet pour ça. La poussière là qui fait des dégâts sur la touche. Voilà. On peut l'enlever grâce à. Ouais, le bruit là, ça veut dire qu'on peut péter le truc. On peut l'enlever ouais, grâce au pot magique. Voilà, là on va prendre. On va repéter ça. Merde, j'espère que ça va quand même faire péter la bombe. Oh les cons. Ça c'est très chiant. Donc on est obligé d'attendre du coup. Voilà. Bon, c'est rien de tuer tous les monstres. Hein. En général dans Zelda, je préfère les éviter que les tuer. Sauf s'ils sont vraiment gênants. Parce que de toute façon, c'est pas comme si on gagnait de l'XP ou quoi en les tuant. On peut gagner des rubis, mais bon, c'est pas. À moins qu'il manque des objets ou qu'on ait pas d'argent. Hein. C'est juste de la perte de temps. Voilà, donc là on a une eau verte. Pourquoi une eau verte? Bah parce que. Il y aura des trucs qu'on pourra faire passer que grâce à cette eau verte. Oh, ce clé quoi. Là on a un. Test Mojo encore. Ah, faut s'approcher trop près. Bon, lui il vend des bombes. Ça sert à rien, on en trouvera plus tard des bombes. Bon, il vend des bombes juste parce que là, voilà, on peut. En plus, c'est cher 10 bombes, 30 rubis. Voilà, alors eux, pareil, on peut les aspirer. Voilà, on peut les tuer soit comme ça, soit par derrière, soit en les écrasant contre le mur. C'est pareil, hein, c'est rare de les tuer. Alors ça c'est assez marrant. C'est un peu n'importe quoi mais. Oula. Des fois il va dans des directions bizarres avec les tornades. Donc là, c'est 3 bombes hein, du coup. Merde. Donc là, on pourra aller voir comment il s'appelle. La peste Mojo pour qu'elle nous donne des bombes, mais bon. On va essayer de faire 100.
Là, on va aspirer. D'accord, je me fais à tout aspirer et ça réapparaît comme avant. Voilà, c'est un truc assez sympa, on va aller chercher la graine là en fait. Ouais, il va toujours aussi vite avec la graine, hein. Apparemment, c'est pas très lourd une graine. Enfin, par contre, on peut plus passer dessous comme ça. Donc, ça, c'est assez réaliste. Pas comme ce qui va se passer dans pas très longtemps. Un truc complètement... Ah, je me suis fait écraser. Complètement con, vous verrez après. Voilà, donc on va aller là. Donc faire des trucs sympas avec le pot magique. Voilà, encore un. On trouve vraiment partout, hein, des fragments du bonheur. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah dégage! Dans toute la vie que j'ai perdu. Quand je dis qu'on en trouve partout. Voilà. Voilà, donc ça c'est justement l'eau qu'on a récupérée tout à l'heure. Voilà, en gros, si là vous l'avez pas récupéré, bah, faut retourner à l'entrée. Bon, c'est pas très long, parce qu'on peut, on a besoin de refaire les tornades, on peut redescendre. Par, bah, là, en bas à gauche, il y a, à droite, pardon. On peut sauter pour retomber, par le pied de la montagne et retourner du coup à droite, pour prendre l'ouverte. Ouais, il me semble qu'on a plus besoin d'eau là maintenant. Oh les cons. Tu vas voir. Ah, et c'est là que vous allez voir le truc le plus what the fuck que j'ai jamais vu dans un jeu en 2D. Voilà. Comment on fait là d'après vous? Alors on va défier les lois de la physique. C'est n'importe quoi, parce que là, c'est au-dessus de nous, en fait. Ça c'est vraiment n'importe quoi, enfin bref. Ouais, on pourrait imaginer que... il aspire vers le haut, mais bon, c'est un peu... Ouais, c'est un peu du délire, là. Bref. Je crois que là, on peut rien faire. Parce que si je mets une bombe là, qu'est-ce que ça fait? Ah si. Non, je peux pas. Oh le con, j'ai pas assez de bombes. Attends si! Putain, vite. Non! Ah le con! Attendez. Un peu de chance, faudrait que j'en tue un qui me donne des bombes. Merde. Viens là toi. Putain, je sais pas comment faire là du coup.
Enfin, c'est bien chiant. Bombe? Non. Ça va être compliqué. Allez, viens là. Putain, il fait chier, il veut pas donner de bombe. Bon, bah, je suis baisé, je crois. Parce que le truc rouge du coup il réapparaît plus. Putain, fait chier. Dans ce cas, si je recommence. Yes! Bon, du coup, la vidéo va être un peu longue. Tant pis. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Je jure, je comprends rien au truc de voler là. Alors. Ah, la blague. D'accord, bon, bah on peut rien faire ici. Je me suis fait niquer deux fois, c'est bien. Ah là, je fais droite, gauche, pardon. On s'en fout complètement. Ok. Du coup. Il me semble que c'est par là. Ouais, c'est là. Il y a une bête d'escalade. Ouais, qui vous permet de, bah, d'escalader sur les trucs là. On a vu sur les côtés. Et là il y a des pleins de bombes. On peut faire le plein. Secret par là. Voilà. Donc ça c'est... Si vous connaissez la série, vous avez compris ce qu'il faut faire. Alors, on peut porter 30 bombes. Non, j'aurais pas dû bouger. Il bouge vachement en vite de gauche à droite, mais pour monter, par contre, il est lent. Voilà, une droite. Voilà. Un coup de bol, je l'ai. Donc ça c'est pas ici, donc ça va pas nous servir pour l'instant. Plein nord des rues. Là.
Ouais, le petit truc à gauche, ça se pète pas avec des bombes, mais avec un objet qu'on aura plus tard. Du coup, on va aller là, ici. Je vais quand même tuer le truc qui vole, là. Et lui aussi. Faut pas qu'il nous emmerde, parce que j'ai plus de 3 coeurs, faut faire gaffe. Voilà. Là, l'ambiance est sympa avec les, la pluie, la musique. Voilà, et les gouttes, c'est bien trouvé aussi. Ça, c'est dur de se faire toucher en fait. Voilà, bon, faut pousser ce rocher là. Il faut récupérer en fait celui-là. Alors faire gaffe à pas le coller aux parois, sinon on pourra plus. Sinon on pourra plus le décoller. Du coup, si vous le collez à une paroi, vous. Vous revenez en mini-niche et vous revenez en humain, ça réinitialise la position des objets. Ah mais là franchement, la GBA ils l'ont poussé à fond. Hein. Parce que ça sur Game of Color c'est un peu dommage. Avec l'eau et tout. Bon allez go. Du coup, bon, ça c'est un piège à la con. Voilà. On a toujours vérifié avant de sauter qu'il n'y a rien dans le coin. Sinon, parce qu'on avait sauté directement, on s'est pris les pots, on s'est retombé. Donc plus tard, on aura une technique d'escrime pour casser les pots avec l'épée. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, là on nous donne des bombes, donc c'est un indice en fait, c'est parce qu'il faut les utiliser ici. Bon, en général, quand on vous donne un truc, c'est qu'il y en a besoin. On n'est pas trop la solution. Allez, go! Tac, tac, tac. Derrière. Il tape super vite, merde. Je vais pas faire ça. Ça casse même pas les pots. Ok. On y est presque. Donc là, c'est même style d'énigme que tout à l'heure. Faire un tour. Voilà, c'est assez simple. Et on est arrivé, enfin presque. De toute façon, maintenant qu'on a 30 bombes, hein, on aura difficilement des problèmes de bombes. Ok, donc nous voilà dans la mine de Melta. Hein. Melta qu'on venait voir, parce que c'est le seul qui peut réparer l'épée.
Donc c'est pas des nains, hein, c'est des mini-chats. Les salles là où je vais pas, y a rien dedans. C'est du décor. Voilà, donc l'épée, il va la réparer, mais il n'y aura pas les éléments dedans, donc ça sera pas l'épée complète en fait. Vous verrez, en fait, on va avoir petit à petit une épée de plus en plus puissante, automatiquement en fait. Voilà. Et du coup, bon, alors là, vous amusez pas à tomber. Sinon, on pourrait pas remonter. Attendez, j'ai oublié de faire un truc, je crois. Mais que je le fasse maintenant, parce que si j'oublie après. Si je fais pas la vidéo d'après tout de suite, il me semble. Tiens donc. Moi, j'étais presque sûr qu'il avait un fragment. Mais... bah, c'est peut-être après le donjon. On verra. Bref, du coup, ce donjon-là est juste au-dessus. Et bah, il se fait pas en mini, celui-là, il se fait en humain normal. Voilà, donc c'est la grotte de feu, le prochain donjon. Donc bilan de l'escalade. On a donc la bague d'escalade maintenant. On a eu un quart de cœur, puis on a les bombes level 2, quoi. Enfin 30 bombes. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, puis je vous dis à la prochaine pour la grotte de feu, deuxième donjon. Salut!